Bon, c'est la première fois que je vais mettre ce hamac et je sais à peine serrer des sangles, enfin les mettre et tout, donc on va voir ce que ça rend, mais pas sûr que je m'en sorte du premier coup. C'est un échec, l'arbre est trop gros, je peux pas faire le tour avec la sangle, donc il faut que je me trouve d'autres arbres. De la dèche, on va reculer le camion pour être plus près de cet arbre là et on va attacher au camion et à l'arbre quoi. Ça va se passer comme ça parce que sinon je vais pas trouver. Bon, cette fois-ci on y croit, on va y arriver. Allez. Ça fait à peu près 2 semaines maintenant que j'expérimente la van life genre à temps plein. Avant c'était un peu par-ci par-là, là c'est vraiment à temps plein. Et j'ai déjà des choses à dire en fait, des retours d'expérience. Donc c'est parti. Déjà 2 semaines c'est rien, mais moi ça m'a paru une éternité en fait. Parce que déjà la première semaine il faisait froid et moche, donc c'était long pour commencer la van life. Et ensuite, en ce moment, j'ai des soucis personnels, des petits problèmes de cœur qui font que être dans cette solitude-là, c'est pas facile au quotidien. Je pense que si j'allais bien dans ma vie en général, je le vivrais beaucoup mieux. Et puis c'est surtout si je pouvais aussi voyager, aller ailleurs que dans la région où je suis pour travailler, ça me permettrait de voir des choses beaucoup plus incroyables. Parce que là, j'avoue que je sature un peu, je fais que de la forêt depuis 2 semaines, je vais toujours en forêt. Et j'aimerais bien voir autre chose, voir des gorges, des montagnes, la mer, voilà, un petit peu diversifier les expériences de voyage. Donc c'est vrai que c'est long d'être toujours au même endroit et d'avoir ces peines de cœur et d'être seule. Ça n'a pas été forcément facile, ça m'a paru assez long pour le coup, les 2 semaines. Mais là ils annoncent meilleur déjà, donc au niveau du temps c'est beaucoup plus agréable, j'ai pas besoin de mettre le chauffage le soir pour dormir, j'ai
pas froid le matin quand je me réveille, je suis pas trempée, il n'y a pas les fenêtres trempées, c'est plus agréable déjà, maintenant qu'il fait meilleur. Et je me suis aussi rendu compte d'une autre chose à propos de moi, personnellement, c'est que j'aime bien les endroits un peu isolés mais pas trop. Genre quand je suis vraiment toute seule comme aujourd'hui là où j'ai pas vu beaucoup de monde, je me sens vraiment... je sais pas, j'ai l'impression... Enfin, j'aime pas autant que quand je suis dans un endroit naturel toujours, mais qu'il y a des passants, qu'il y a d'autres personnes en voiture ou en camping-car, je me sens moins seule. Et ça me fait du bien, je préfère ces endroits-là. Par contre, j'aime pas non plus être dans la rue, dans la ville et tout. Alors, c'est pas très très agréable ça pour le coup. Mais cette espèce d'entre-deux, j'aime mieux. Parce qu'il y a une fois où il faisait super moche, j'étais en pleine forêt, au milieu de nulle part, il n'y avait personne, j'avais pas de réseau. Bah, le temps, il était long là. Alors ça fait du bien, parce que ça permet de faire un petit peu d'introspection et d'apprendre à se connaître et à s'occuper autrement de comment on a l'habitude. Mais c'était pas forcément le plus facile. Je le répète, avec mes petites peines de cœur qui font que je broie du noir sans cesse. Donc voilà. J'ai trouvé le sentiment un petit peu que je voulais exprimer juste avant, c'est qu'en fait quand il y a d'autres personnes, d'autres campicaristes, d'autres passants, d'autres promeneurs, ça me donne l'impression de partager un moment avec eux. C'est totalement psychologique, mais voilà, on en vient en fait que j'ai besoin de sociabilisation et en fait moi je la trouve là-dedans. C'est-à-dire que la plupart du temps on va juste se dire bonjour, il y a 2-3 curieux qui vont venir voir le camion, qui vont venir me poser des questions, mais sans plus, mais même ceux qui disent pas bonjour, ça me donne l'impression de partager un endroit, un lieu, un après-midi, alors qu'on ne se parle pas, mais je me sens moins seule dans ça. Voilà, je suis complètement psychologique. Hein. Et donc voilà, je trouvais que c'était plutôt intéressant à partager comme point de vue. C'est sûrement pas le cas pour tout le monde, mais il y a peut-être d'autres personnes qui sont dans mon cas. On est deux, on est trois, on est plusieurs à ressentir ça. Dites-moi dans les commentaires si vous avez fait ce genre d'expérience, si vous êtes en train de l'expérimenter. Ça fait toujours du bien de savoir qu'on n'est pas seul finalement. Toujours cette question de solitude. Toujours cette question de solitude. On pose souvent d'ailleurs cette question sur la solitude. Comment je me sens? Est-ce que je me sens pas trop seule? Mon Dieu, ça doit être hyper dur à vivre. Je suis pas plus seule que quelqu'un qui vit seul dans son appartement ou dans sa maison. Concrètement, j'ai la même vie, je vais au travail, je rentre le soir, sauf que moi le soir quand je rentre, il faut que je me trouve à un endroit où dormir. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas plus de solitude que ça. Ce qui est plus dur, c'est de se trouver des amis sur place et à chaque fois que tu dois prendre la route, tu dois tout ranger dans ton van, donc c'est relou aussi, tu n'as pas forcément envie tout le temps de prendre la route pour aller voir des gens. Mais je ne suis pas plus seule que quelqu'un qui vit seul dans son appartement. J'ai moins de confort, certes, parce que j'ai pas la douche à volonté, j'ai pas d'eau chaude, il fait froid des fois la nuit, je peux entendre les voitures passer, les gens marcher, parler, tout ça, mais concrètement, ça va quoi. En fait, j'ai envie de te dire, la solitude est dure dans les moments d'inconfort, justement, où justement t'as froid, ou t'as pas d'eau chaude, ou tu pues, t'aimerais bien prendre une douche et tu peux pas. Voilà, tous ces petits moments d'inconfort qui sont liés à la van life, au début en tout cas, c'est dans ces moments-là que la solitude peut devenir un peu pesante, parce que t'aimerais bien être avec quelqu'un qui te réconforte, quelqu'un avec qui tu peux partager tes humeurs et ton inconfort en fait, et te dire que t'es pas seule à vivre ça, et te changer les idées, faire des jeux, regarder un film à deux, enfin voilà quoi. Après voilà, tout est une question d'habitude comme on dit. Moi par exemple, de base, j'avais pas l'habitude d'appeler des amis, de les voir sur Skype, quoi que ce soit. Et là je suis en train de plus en plus de me dire que
bah peut-être que c'est quelque chose que je vais commencer à faire, parce que finalement, effectivement, j'ai beaucoup moins de vie sociable depuis. Bah peut-être que je vais changer quelques habitudes et pourquoi pas appeler plus mes amis, tu vois, avoir plus de contacts, rien que de... Oh, c'est trop mignon ici! Oh, j'ai envie d'aller me baigner! C'est incroyable, je viens de trouver un endroit. Oh, ah, je vais vous montrer ça tout de suite. Regardez-moi ça. C'est trop mignon. Ce qui est moins mignon, c'est l'avion qui passe au-dessus. Aujourd'hui pour vous, très chère communauté, je fais un move, je tente un move très risqué. C'est passé, c'est froid. C'est froid, c'est très très froid, c'est glacial. Je trouve sincèrement que marcher pieds nus dans la nature, sur les arbres, sur les rochers, c'est vraiment du bonheur à l'état pur. C'est une des choses que j'aime le plus faire dans ces moments-là, quand il fait chaud, quand je suis bien et tout. J'adore me mettre pieds nus et marcher pieds nus sur la nature. C'est vraiment un sentiment de liberté et d'être nu et de juste kiffer quoi, kiffer le moment. J'adore ça, c'est vraiment du bonheur à l'état pur. Franchement, je fais tellement cette vidéo à l'arrache, ça doit vraiment ressembler à rien. Je sais pas ce que je fous, je sais même pas pourquoi je la fais. Je trouvais juste ça intéressant, mais... Ce que j'aime bien aussi avec cette expérience de se balader un petit peu partout, même si on n'est pas très loin, même si on va pas très loin. Attendez, écoute. C'est le fait en fait de visiter des endroits et de prendre conscience qu'ils existent. Alors je sais que ça part loin dans le délire et que vous avez peut-être déjà quitté la vidéo, mais en gros, ça touche des cases dans le cerveau. Je sais pas comment expliquer ce sentiment de quand tu vas pas loin de chez toi et que tu visites des nouveaux endroits qui sont autour de chez toi ou de là où tu es, parce que chez toi c'est n'importe où, mais de là où tu es et où tu résides principalement pendant un moment, de prendre conscience qu'il y a ça dans la région où t'es, ça fait prendre conscience de qu'il y a de la vie autour de toi et qu'il y a d'autres endroits qui vivent autour de toi sans toi. Alors ça paraît très égocentrique de dire ça, mais en fait c'est juste un sentiment bizarre de se dire oh, en fait cet endroit il existe, il est pas loin de moi, il y a des gens qui vivent là, il y a des... Et tu sais finalement au fond de toi que oui évidemment que ces endroits existent, mais tant que tu les as pas vus, tu peux pas les voir, tu peux pas les imaginer et tu peux pas les... En fait les rentrer dans ton esprit. Et quand tu, une fois que tu les rentres dans ta conscience, dans ton esprit, que tu as fait des souvenirs là-bas, t'as une case qui s'ouvre dans ton cerveau, enfin c'est un sentiment de case qui s'ouvre. Et je pense que ça s'appelle l'ouverture d'esprit, justement. Et ouais, ça faisait ça comme sentiment que j'avais quand je voyais un nouvel endroit. Et c'est plutôt agréable. Et alors pareil, un autre truc dont je me suis rendu compte, et ça c'est plus un rapport avec YouTube, et même n'importe quel autre réseau social, c'est que je suis tiraillée entre le fait de vouloir profiter de l'instant présent et de ce que je suis en train de voir, et le fait de vouloir faire une vidéo à propos de ce que je suis en train de voir. Et du coup c'est bête, parce que bon c'est le but de faire des vidéos sur ce que je suis en train de voir, mais en vrai, bah je sais pas, à chaque fois je passe un moment qui est unique, et j'ai la flemme de prendre la caméra, parce qu'à partir du moment où tu prends la caméra pour filmer, tu regardes ce que tu filmes, mais tu regardes pas réellement ce qu'il y a devant toi, et tu profites pas du moment, et tu te crées pas des souvenirs. Et les souvenirs ça va avec ce que tu ressens, avec les émotions, avec les odeurs que tu prends pas le temps d'observer quand tu es en train de filmer.
Bon allez, retour au QG. Passez une bonne petite soirée avec comme une bonne bouffe de la binouze sur ma petite table de camping. Voilà, on sera bien. Et à l'intérieur, il fait plutôt bon finalement. Alors non, en fait, il fait pas plutôt bon, il fait très chaud. Il fait 34 degrés dans le van. Yes, je pensais pas qu'on pouvait atteindre de telles températures avec seulement 22 dehors. Il faut se dire que dans un van, on a toujours 10 degrés de plus que ce qu'il y a à l'extérieur en été. Enfin, au printemps du moins. Voilà. 34 degrés. On a tort. Cette vidéo est un gros bordel. Je sais. Je me fais attaquer par des bêtes. Bah écoutez, à la vôtre hein. Écoutez, si vous avez des questions dans les commentaires à propos de la van life, à propos de ma vie, n'hésitez surtout pas à les poser. Ça me ferait plaisir d'y répondre. Pourquoi pas, par exemple, de répondre à une question par vidéo à chaque début de vidéo. Ça peut être pas mal, ça peut même installer un sujet de conversation. Donc vraiment, n'hésitez pas à partager vos ressentis et à poser des questions. Voilà. Moi je vais vous laisser là, je vais prendre mon apéro tranquillement, passer ma soirée tranquillement. Et puis bah écoutez, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, voilà. Et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao.